D'abord, avant que je ne vienne dans les balais africains, dans le quartier bourbinet comme vous l'avez connu, toujours bouillant. J'aimais toujours les actions. Ça va? Voilà. Maintenant, allez. Il va vous séparer. En dansant comme ça, attendez, Gourda sera. Ensuite, tout ça, on préparait le spectacle de Paris. Alors là, on s'est préparé sérieusement. Amor Suzuki était là, avec sa femme Marisa. Alors, pendant la tournée, dans le pays de l'Est, alors on prépare les actes. Pour aborder la saison de Paris.
Alors on commence le spectacle. Je vous dis vraiment, Jeannot, ce spectacle de 1h45, c'est-à-dire on ne savait même pas comment on a fini, tellement qu'on était en forme. Mais à chaque action, le public applaudissait. À chaque fois, action, le public applaudissait. Alors c'était la danse des hommes forts. On vient, on monte sur la scène. Mais la salle accueille, la salle accueille, la danse accueille. Et quand nous avons fini le spectacle, le public s'est levé. C'est pas donné à toutes les troupes hein, et à tout artiste. À la fin du spectacle, les Anglais appellent ça standing ovation. Exact. On se lève. Le lendemain matin, on sort maintenant pour chercher le journaux. Le matin, annonce. Les Africains à la une partout. À la une partout. La première page. Alors, on achète le matin. On lit la première page. Le journaliste dit, après quelques absences des ballets africains de Côte d'Afrique en France, les ballets africains reviennent avec la République de Guinée. Et ces ballets ont donné un coup de massue sur la tête du public parisien. Thank you.
hein? Tout, tout.